Toi, Bamoun, va en brousse avec tes. Hey! Paul Biya, tu n'es pas Camerounais toi seul. Godness! Virgule le criminel, te voilà populaire comme tu l'as voulu, mon petit, mais dans le négatif. Vous vous souvenez de ce garçon, il y a de cela quelques jours, il a annoncé sa mort. Il a demandé à ses amis de poster les vidéos où on faisait sa levée et tout. Bonjour la famille. Je reçois plusieurs commentaires de ce genre. En fait, Virgule le criminel est bel et bien décédé. La personne qui n'arrive pas à croire... Voilà, le lendemain, il a apparu pour dire c'était le buzz, il voulait qu'on parle de lui. Il est vivant, il ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas encore clashé les vraies personnes. Quoi qu'il est mort, je meurs que est-ce que j'ai fini de clasher. Je n'ai même pas encore clashé la moitié de ma liste. J'ai créé une entreprise de pleurs. Ah bon, hein? Voilà, après qu'il s'est ressuscité, comme Jésus, il a continué avec ses clashs. Mais sauf que cette fois-ci, il a clashé la mauvaise personne, le feu roi Bamoun. Et voici donc les retombées. Paraît-il qu'il se trouve désormais dans les mains des gens qui sont contre le libertinage. Voilà le gars, est-ce qu'il... Voilà le gars qui a marqué. Quand tu insultes... Il a insulté le roi Bamoun. Il a insulté le roi Bamoun. J'ai vu ça. Après ma vidéo que j'ai postée sur Facebook, ce garçon m'a contacté pour me supplier, me demandant un service. Écoutez très bien. Bonjour Monsieur Franco, comment vous allez? Avec tout le respect que je vous dois, c'est Virgule le criminel, le petit gars qui j'ai fait un petit buzz dernièrement que j'étais mort. Ça a pris la toile. Donc je félicite d'abord votre visibilité que vous avez sur Facebook et je tenais à vous dire vraiment beaucoup de courage à vous. Si je vous contacte, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de ton aide. S'il vous plaît. Voilà, après avoir écouté tout ceci, j'ai dit au petit, je suis disponible. Je suis même disposé à travailler avec tous les jeunes qui veulent vraiment réussir dans le bon sens. Sauf que je ne l'encourage pas dans ce concept qu'il vient de choisir, qui est de clasher les gens. Moi, je ne peux pas l'encourager à entrer dans la tombe. Donc, pour que j'accepte travailler avec lui, accepte faire ce qu'il me demande comme aide, il faudrait qu'il accepte abandonner ces rimes-là et changer de concept car il avait beaucoup de talent. Car il a même beaucoup de talent. Écoutez ce qu'il a répondu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Des montages, non, tu peux encore faire une autre vidéo comme ça là. Tu prends les vidéos que j'ai postées après avoir déclaré que j'étais mort. Les vidéos que j'ai postées après ça. Tu fais des mêmes montages pour dire aux gens que j'ai blagué avec les sentiments des gens. Et tu te fâches, tu dis que tu m'as demandé de changer tout ça. Là maintenant, moi, je viens faire la vidéo sur Facebook et je confirme que oui, que j'ai laissé. Voilà, vous avez lu mon dernier message là où je demandais de ne plus jamais m'écrire parce qu'il risquait même de le bloquer. Donc, le petit m'a supplié de faire des vidéos pour demander à mon public et demander aux Camerounais de le pardonner. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur quelle mesure, parce qu'il a beaucoup touché les gens après son apparition. Quand j'étais en train de réfléchir comment faire des vidéos pour que le peuple camerounais ou bien l'opinion internationale le pardonne, directement je vois une autre vidéo, il a clashé le roi Bamoun. C'est où je viens l'écrire que mon petit, c'est la dernière, ne m'écris plus jamais, ne veux plus jamais de contact avec toi. J'ai créé une entreprise de pleurs, des pleurs partout. J'ai fait trembler le monde comme Vladimir Poutine. Ma communauté du Nord, Mimayaï. Ma communauté arabe, Anamamad. Imaginez un peu. Les mots me manquent. Le roi Bamoun, va en brousse avec tes n****s. Et Bamoun. Non, bro, le tout sinon, je refuse. Je ne suis pas là, je ne te soutiens pas. J'ai conseillé cet enfant comme si c'était mon propre petit frère de sang. Vous voyez, c'est un enfant qui a du talent. Mais je ne sais pas ce qui monte dans sa tête. Vous voyez même que pendant son embarquement, il est en train de faire des selfies. Pendant qu'il est devant les hommes en tenue, il est en train de faire des selfies. Est-ce que la tête de ce garçon tient même normalement? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Je suis là. 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 Je
ce que tu veux dans ta vie. Et en ce qui concerne les autres jeunes qui sont en train de suivre son rythme, parce que je vois déjà certains enfants qui ont copié son style, faites très attention. Faites très attention. Ce petit m'a même parlé de mon style, qu'il voulait un peu tendre vers mon style, parce que je clash aussi les pasteurs. J'ai amené ce petit à la raison que je ne clash pas les gens. J'utilise les vidéos que les gens mettent sur Facebook, je monte, je mets les inserts, les gens qui parlent et non moi. C'est très différent. Je n'ai jamais fait de vidéo pour insulter ou dire quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est ce que j'ai dit à ce petit, mais le grand frère, j'ai compris et je vais changer le concept. Mais malheureusement, son entourage l'encourage à évoluer dans la bêtise. Et voilà donc les retombées. Voilà donc le monsieur qui insulte notre chef de l'État. Tu ne reconnais rien. Tu ne veux pas t'excuser. Tu t'excuses pas. Précisément, tout précisément chez le roi Bamoun. Il ne voulait pas indexer la communauté Bamoun. Oui. Donc j'avais une cible, pas tous les Bamoun. J'étais énervé, j'ai indexé tout le monde, donc je m'excuse auprès des Bamoun, ma cible est là. Après ça avait toujours clashé ma cible, mais pas tout le monde. T'es trop bête. Toi ton problème c'est même quoi, c'est quoi avec toi? Tout ça c'est les mangas, hein. Seigneur jusqu'à quand? Voilà, c'était juste une vidéo de sensibilisation. Chers jeunes, mettez-vous au travail, mais il faut savoir quel genre de travail est bien pour vous. S'abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.